Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Une vidéo un petit peu dans la souffrance puisque le disque est rayé et j'ai eu beaucoup de mal à le faire fonctionner. Et j'ai un code qui ne fonctionne pas. Ah, si. C'est parti. Alors... Donc je viens de faire le code pour débloquer les 5 personnages cachés du jeu. Voilà. Alors, bon, je vais parler en même temps. Alors, il paraît que c'est un des pires jeux Dragon Ball Z sortis sur console. Oui. J'ai pas joué à tous les jeux Dragon Ball Z, j'en ai joué à beaucoup. J'ai très peu joué à celui-là, mais il n'y a pas besoin de bien longtemps pour se rendre compte que c'est une catastrophe. C'est horrible, vraiment c'est horrible. Déjà rien que sa tête, là on dirait qu'il a la tête en castrant les épaules. Là ça va mieux, mais sur le plan d'avant... Bon, le jeu est une vraie catastrophe. On va voir ça très très vite. Déjà en termes de contenu. Et en termes de fainéantise, parce que franchement... Ultimate Battle 27, voilà. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un joueur contre l'ordi, un joueur contre le joueur 2, championnat, croissance. Ça c'est pour faire évoluer les personnages, je crois. Combat croissant, j'imagine que c'est pour les faire se combattre, mais je comprends pas trop la différence. Et des options absolument magnifiques. Voilà, stéréo, mono, la difficulté, la vie et la force, je sais pas trop ce que ça veut dire. Si jamais ça apparaît ou pas à l'écran peut-être, mais c'est important quand même d'y voir, non? Allez, il y a même pas de mode histoire, il y a rien du tout. Donc, bon, heureusement qu'il y a les couleurs, hein, parce que sinon avec les pixels, on aurait du mal à les reconnaître presque. Hein. Il y a quand même pas mal de personnages. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais peut-être prendre Gogeta et hop, c'est pas forcément mon perso préféré. Mais je viens de le débloquer donc pourquoi pas. Contre Grand Trunks, magnifique. Bon, graphiquement, on va voir que c'est plutôt joli, c'est assez coloré entre guillemets. Mais bon, après, il y a l'âge qui a fait, hein, qui l'a bien amoché. Les décors sont pas exceptionnels, mais le pire, ça va être les boules de feu. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce stage? Alors, avec Icarino Wheel derrière. Le problème, c'est que c'est lent, mais vraiment lent. C'est très très lent. Tout est lent. Les boules de feu sont pourries. Les coups ne marchent quasiment pas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, vraiment. C'est vraiment, vraiment une horreur. C'est un scandale d'avoir sorti ça. Et attention, regardez le menu pause. Attention, je tente de faire ça. Ah, magnifique!
Oh là là, un Final Kamehameha, mais quel c'est incroyable. Et le menu pause, le voilà. Voilà, ça c'est le menu pause. Voilà, vous pouvez, je vous laisse profiter de des options qui nous sont proposées dans ce menu pause. Aucune. Vous n'avez pas le droit de quitter. Vous avez juste le droit de perdre. Alors à moins qu'il y ait un bouton caché pour quitter, mais j'en ai essayé plusieurs et il n'y avait pas moyen. Donc il y a quelques coups. Ils sont assez compliqués à sortir, je trouve, parce que l'écart de cercle c'est pourtant assez simple. Mais franchement, là il y a un truc qui va pas, quoi. Oh là là, magnifique. Pour se recharger, il faut laisser appuyer n'importe quel bouton pendant 10 plombes. Attention, j'appuie. Voilà, c'est voilà, faut le temps que ça charge, hein. Alors on peut accélérer, c'est magnifique, hein. Oula. Ok. Non mais c'est vraiment une honte ce jeu, vraiment. Graphiquement, moi je le trouve pas dégueulasse. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, les décors sont assez dégueux. Mais encore, c'est pas trop grave, ça passe. Les personnages sont vraiment très très jolis. Moi, il me faisait rêver ce jeu à l'époque, hein. Vraiment, les personnages, je les trouvais vraiment classe. Je trouvais qu'ils avaient vraiment un style. On reconnaissait vraiment le design de l'anime. Vraiment, il y avait pas de soucis. Pff, ça, je sais même pas à quoi ça sert. Oh, j'ai trouvé une autre touche. Waouh, magnifique! Alors, je vais prendre un personnage après que j'ai appris à maîtriser avant de commencer la vidéo. Appris, entre guillemets, parce qu'il y a 5 coups. Hein. Je vais pas gagner parce que... Non! Non, je voulais pas gagner! Mais non! Oh mon dieu, mais c'est tellement nul. Le jeu est tellement nul. Alors, il bug un petit peu graphiquement. C'est peut-être à cause de mon CD... De mon CD rayé. Mais ce jeu est tellement nul. Mais c'est incroyable comment c'est mou. Alors je vais essayer de trouver, là on a les personnages. Au pire, je vais essayer de découvrir le personnage en direct. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coups. Il a 8 coups. Alors, quart de cercle arrière avec croix. Avant, arrière, avant, croix. Voilà, ça c'est un coup. Ok. Alors celui-là tu veux pas le faire visiblement. Vraiment c'est ce que je dis. Ah si, ça devait être ça, d'accord. Ok. Vraiment les coups, mais c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Je suis nul, hein, clairement, je suis nul. Mais vraiment les coups, c'est une cata, quoi. Ah, ou c'est peut-être en l'air. Chargé. D'accord, alors Gogeta n'a jamais fait ça, hein, mais il a jamais fait ça, Gogeta. Bon, ça fait 3 ou 4 coups qu'on vient de voir. Carré, croix ou rond. Ah, d'accord. Oula. D'accord, je sais pas trop ce qu'il fait, une espèce de téléportation. Alors, pour lancer une attaque ultime, entre guillemets, ce qui est déjà assez honteux d'appeler ça une attaque ultime, hein, quand elle veut bien marcher déjà, il faut avoir une barre de vie relativement élevée, je pense, parce que c'est là qu'elle sort le mieux. Alors, j'imagine que c'est dans ce cas-là qu'il faut les faire, mais je fais un demi-cercle quand même, un demi-cercle. Le jeu n'arrive pas à piger un demi-cercle, je veux dire, je suis nul, mais peut-être pas à ce point, quoi. Vraiment, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Même ça, tu veux pas le faire. Même ça, tu veux plus le faire. Si, ça y est. Oh, mon sang, mais c'est immonde. C'est immonde. Ce jeu est immonde et je parle pas des graphismes. Je parle même pas des graphismes. Alors, on a un autre coup, c'est ça. Pff, tu passeras jamais. C'est quasiment un cercle complet du bas vers la diagonale avant-droite. Du bas vers la diagonale avant-droite. Je crois que ça fait ça. C'est pour annuler une attaque, mais vous avez pété un câble, les mecs. Vous avez pété un câble. L'autre attaque, c'est quoi? Bah, tue-moi, parce que je vais encore te battre. Je vais essayer de reprendre un perso. J'avais essayé petit Trunks avant. Je sais pas, j'avais envie de le prendre. Puis après, je me suis dit, allez, j'essaie de le faire fonctionner.
Vraiment, ce jeu est une catastrophe. Allez, on va faire la revanche contre C16. C'est décevant à l'époque. Bon, les jeux PS2, j'ai aussi Final Bout qu'il va falloir que je fasse en vidéo. Voilà, petit trunks. J'ai Final Bout qu'il va falloir que je fasse aussi en vidéo et qui est aussi catastrophique, mais qui a un meilleur gameplay si je me souviens bien que celui-là. Même si c'est d'une lenteur encore, mais c'est incroyable, incroyable. Et là, le problème, c'est pas vraiment une lenteur en termes. En termes de saut et tout ça, c'est tout, c'est tout. Je me rappelle déjà plus. Alors c'est le Meteor Smash. Tu veux bien me laisser 3 secondes déjà? Voilà. Ah mince. Oh là là, mais c'est incroyable. Mais regardez-moi ça, comment c'est pété du cul. Voilà, le Meteor Smash. Voilà, c'est le truc le plus beau du jeu. Donc, vous y habituez pas. Hein. C'est le truc le plus beau. Hein. Donc, alors, on a un coup, c'est ça. Magnifique, il est passé tout de suite. On a arrière avec croix pour faire un coup de pierre tourné. Superbe. Ensuite, on a vers l'avant avec croix. Un quart de cercle vers l'avant avec croix pour faire ça. Ensuite, on peut charger et relâcher pour faire ça. Voilà, superbe. Allez, viens, rapproche-toi. Oh là là. Voilà, ça fait ça. On a le criblage énergétique. Bon, c'est pour envoyer 3 attaques, c'est nul. Ensuite, on a... Je sais même pas si ça fonctionne, ça. Je sais même pas si ça fonctionne. Le faisceau déferlant. Alors, de l'arrière vers l'avant et cron. Oh, ça a marché. Ça a marché, il est passé. Magnifique. Mais c'est splendide. Et le deuxième, c'est donc... bah non, c'est tout, en fait. C'est tout, j'ai tout fait. Il y a l'espèce de convergence d'énergie qu'il faut faire... qu'il faut faire le cercle quasiment entier, voilà, pour faire ça. C'est magnifique. Allez, je te finis avec un truc qui marche pas. D'accord. Oui, mais non, mais... Oh là là. C'est lent, c'est nul, c'est pas fun. Les musiques sont pas trop mal, je crois qu'elles reviennent un petit peu de Dragon Ball Final Extreme But... Non, pas Extreme, c'est sur 3DS Extreme. Ultimate Butoden sur SNES, je crois, le 2. Peut-être le 1 aussi, j'y ai pas joué. Oh là là, mais quel gâchis de la licence Dragon Ball à l'époque. Heureusement que la PS2 arrivait avec les Budoka et les Tenkaichi, Infinite World, oh là là. Bon, ça commence depuis quelques temps quand même à... Même si c'est plus beau, plus jouable, et quand même pas aussi catastrophique, ça se dégrade un peu, je trouve. Hein. Bon, après, c'est pas trop le moment d'en parler, mais si Kakarot est très joli, il y a quand même quelques gros problèmes dans le jeu. Bon, on en reparlera quand je ferai une vidéo dessus. C'est vraiment de se courir après, des fois. C'est tellement nul. Je sais même pas quoi vous dire d'autre sur ce jeu. Je peux même pas quitter. Je peux même pas quitter. Je n'ai pas de touche pour quitter. C'est fou. C'est fou, il faut que je me laisse torcher pour quitter. Mais est-ce que j'ai besoin de dire de quelque chose que d'autre que ça, déjà? On ne peut pas quitter un combat. Il faut attendre que l'ennemi décide de nous torcher, déjà qu'il n'arrive pas à le faire. Ou alors il arrive mieux déjà quand on joue. Quand on joue pas, il sait plus rien faire. C'est difficile. Hein. Ça fait mal au cœur de voir un jeu Dragon Ball Z aussi nul. Hein. Puis alors les coups, ils sont tellement longs à sortir. L'ennemi, il peut les contourner en une touche. Mais pitié, achevez-moi. Et voilà, l'attaque ne veut plus sortir. Pourtant, mes touches fonctionnent, hein, mais elle veut plus sortir. Voilà, j'ai plus d'énergie parce que j'ai quiché des boules de feu qui servent à rien, que je voulais pas lancer. Il veut pas. J'ai honte de jouer à ce jeu, vraiment. Je suis peut-être très nul, hein. Je suis peut-être très nul, mais j'ai très honte de jouer à ce jeu, hein.
Vraiment, j'essaie un peu tous les boutons. J'ai pas le temps de lancer mes attaques. Il faut que je fasse des coups, des boutons. Et l'ennemi, il en a rien à secouer forcément. Hein. Et je suis en facile. Voilà, c'est tellement lent, tellement mou, tellement pas fun. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose à cet immondice qu'est ce jeu, qui est pas forcément moche, parce qu'il est vieux quand même, mais qui est nul. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre perso? Donc on en a quand même pas mal, on peut peut-être faire le tour vite fait si j'arrive. Donc Goku SSJ3, C16, Dabla ou Dabra, Cell, Gogeta, Piccolo, Rikum, Goku Dragon Ball, Tenshin Han, Super Buu, Zarbon ici. Donc Mirai Trunks, Goku, Buu, Freezer, C18, Gohan, SSJ2, Krillin, Goten, Gotrunks, Kid Trunks, Kaioshin, Grid Saiyaman, on a Tortue Géniale, Hercule, Ginyu et Vegeta Majin. Je peux même pas choisir contre qui je me bats, c'est quand même assez affolant. Je vais essayer de prendre Vegeta, j'ai essayé tout à l'heure mais j'arrivais pas du tout. En plus j'ai ses coups, tiens, d'afficher, ça sera très bien. Et puis je vais arrêter là-dessus parce que je suis tellement triste de jouer à ce jeu, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Graphiquement, c'est encore récupérable malgré les boules de feu qui sont horribles, les décors pas terribles, l'espèce de 3D qui est inutile. Qu'est-ce qu'on a? Donc on arrive arrière avec carré. Non, vers l'avant, pardon. Oh là là, c'est un coup de coude! Mais c'est magnifique! Mais regardez-moi ça, ce coup de coude! Quand il veut sortir. Alors, je sais qu'il y a... Non? C'est quoi? C'est avant-arrière, avant-carré. Voilà, c'est ça que j'avais réussi à faire tout à l'heure. Comment vous voulez placer un coup comme ça? Les ennemis, ils sautent de partout. Alors, on peut s'envoler. Ce qui est magnifique quand on s'envole, en fait, c'est qu'on devient plus gros que ceux qui sont en bas. C'est une 3D magnifique. Hein. Vraiment, faut m'expliquer. Hein. Faut m'expliquer pourquoi on devient plus gros. Je sais pas. Alors, saut. Ah oui, c'est saut. Ok, on a le coup là. Magnifique. Comment tu veux faire des diagonales avec la croix de la PS2, quoi? C'est compliqué quand même. C'est compliqué, hein. Ah, d'accord. Ok. Oh là là, mais regardez-moi ça. C'est gravité lunaire. Cette gravité lunaire, puis alors on se croise tellement c'est nul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, d'accord. Canonade. Oui, d'accord. Tu peux me laisser jouer, s'il te plaît? Alors voilà, ça sert à ça, je crois, mais je sais même pas si c'était ce coup-là que j'étais censé sortir. Allez, on sort l'attaque Big Bang. Eh non, bah non. Voilà, c'est tellement long de surcharger, c'est tellement immonde. Alors, voilà, je sors l'attaque Big Bang là, hein. attention, ah bah non, ça ne marche pas. Alors je suis peut-être très nul, j'ai peut-être une manette usée, j'en sais rien, si quelqu'un sait, dites-moi, mais j'ai l'impression que les coups c'est de la merde, Et ils sont capables de sortir quand je vais être... Regarde-moi ça, on peut faire 3 mètres. On peut faire 3 mètres pour se distancer de l'ennemi. Et ils balancent des boules. Et on se fait chier. Les coups ne sortent pas. C'est un enfer. Sauvez-moi d'ici. Je vous en prie, sauvez-moi. C'est tellement nul. Oh là là là, c'est affligeant. Affligeant, c'est lent, ça marche pas. Ça te sort des autres coups, c'est nul. Vraiment, c'est nul. Je vais pas.
Je vais pas continuer à m'étendre parce que c'est trop nul, vraiment, c'est trop nul. J'ai déjà monté 3 combats, j'en peux déjà plus. Je me suis entraîné pendant 20 minutes avant et j'arrivais toujours pas à sortir les coups, je sais pas. Je pense pas que ce soit ma manette qui soit HS, mais c'est nul, c'est nul. Oh, la licence Dragon Ball était tellement martyrisée à cette époque de la PlayStation. Sur ce, merci d'avoir supporté une vidéo aussi ignoble. Merci de l'avoir regardé et à bientôt. Salut.